Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de... ça va plus hein, Daily Dangerous Horizon donc chers amis. On va comme d'habitude ressortir d'ici, y'a plus le... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sortons vite, chers amis, sortons vite. Y'a plus les... Les sites d'extraction? Paul Indico Jones Hollande. Ah oui, je comprends mieux. Il s'appelle Hollande. En avez-vous pour longtemps? J'ai des horaires à respecter. Bah écoute, oui, j'en ai pas pour long. Je sors, on ne pousse pas. Elle est pleine, la station? Possible, ça. Allez, pousse. Oula. Oups. Ok, c'est bon. Allons-y. Hop. Ah, voilà. Dangereux. Allons-y. Faut vraiment que je pense à installer Vocals. Hein. Un de ces quatre. Activé. Super navigation. C'est parti. Hop, la direction est donc celle-ci. Aligné avec la trajectoire du vaisseau, oui, t'inquiète pas. Oh, et donc, il est impilotable. Hop, ça y est. Hop. Et on booste. Pouf! Voilà! Nous voilà partis, on va retenter quelques petits combats, chers amis, pour se faire un petit peu d'argent. Actuellement, nous sommes à combien en argent? Nous sommes à 16 millions. Une fois qu'on aura atteint les 30 millions, on va dire à peu près, on va... farmer les rangs chez la fédération. Voilà, c'est, on va voir ce qu'on peut farmer déjà. De toute façon, on a une capacité toute qui me semble-t-il n'est pas mauvaise. Voilà, 176. On pourra donc faire un petit peu de commerce aussi s'il le faut. Donc de ce côté-là, on est plutôt bon. L'objectif, c'est d'avancer dans les rangs de la fédération et potentiellement se payer une Federation Corvette. Une fois qu'on aura le rang et l'argent nécessaire, qui est un des vaisseaux les plus balèzes du jeu. Et qui est surtout le vaisseau de combat le plus puissant. Ensuite, on fera pareil, mais chez... alors là, c'est dans très longtemps, hein, par contre, attention. Hein. On fera pareil, donc, chez... Chez... Mince, j'ai oublié le nom. Chez l'Empire. Pour avoir l'Impérial Cutter, ou en tout cas des vaisseaux de type impériaux qui sont... extrêmement stylé, je dois l'admettre. Comme diraient certains de mes proches, ils sont extrêmement badass. C'est pas ma façon de parler. Hein. Non, disons surtout que c'est pas parce que c'est badass que ça va m'intéresser. Alors, ASP Explorer, salut l'ami. Oh, tu as un casier vierge, quel dommage. Je vais juste repousser un petit peu le micro. Hop, voilà. Et non, pour un endroit dangereux, il y a que deux personnes. Et dis donc, les gars. Ouais. Létal. Là, ça commence à être intéressant. Rechercher. Aha. Ok. Il a envoyé les paillettes. Faut surtout pas que je touche l'autre machin. Ok. Un peu plus de points dans l'armement. Hop, là, où est-ce qu'il est coulé? Ok, on va la voir, vous inquiétez pas. Raté. Touché. Il a un beau bouclier, hein, le sac. Mes tourelles qui continuent. C'est pas normal, ça, mes tourelles qui continuent. Normalement, avec les paillettes, elles arrêtent. Hein. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hop. J'espère que le survoiteur de bouclier est en marche. Il me saoule à tourner comme ça, lui. Hop, là. Voilà. Je ne te laisserai pas récupérer ton bouclier ou quoi que ce soit. Bah, tu l'as pas encore perdu, de toute façon. La vache, il est vachement agile, ce vulture. Hein. Ok.
Hop, on l'a. C'est bon. Pouf! Ça fait mal ça, hein? Bah alors? Reviens me voir, n'aie pas peur. Je ne fais que ça pour ton bien. Allez, reviens. Ah, raté. Non, je pensais que j'allais l'avoir. Honnêtement, je pensais que j'allais l'avoir. Remarque, mes lasers le feraient très bien aussi. Touché! Ah, il est en rechargement. Par contre, je pense que j'ai dû tout détruire quelque chose. Ah non, il envoie des fusées en fait, c'est juste ça. Ok. Je veux dire, je pensais que j'ai touché quelque chose parce que. Justement. Oula, FSD actif. Comment ça, FSD actif? Et reviens par là. Je ne te veux aucun mal. Ok, c'est bon. On l'a eu. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a plus gros dans le coin? Module. Sur le retour de bouclier, il n'était pas actif. Voilà pourquoi on prenait autant de dégâts. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est un peu plus gros. Un petit plour. On va aller voir là-bas. Oh, je l'ai perdu de vue. Seriously. Oula, ça tiroille. Sur le troupe de la Fédération. Mais non, je vais être copain avec eux. Il va être dangereux, lui, par contre. Bah oui, forcément. Ah, par contre, il a déjà plus de bouclier, quoi. Donc, je suis pas le seul dans le coin. Hein, dirons-nous. C'est pas à ce rythme là que je vais le choper. Il est pas très rapide, hein, il est pas très vif, hein, c'est marrant. Est-ce qu'il me voit pas comme une cible hostile? N'étant pas une cible hostile. Raté! Alors là, je suis vexé. Honnêtement, chers amis, je suis vexé. Ok. Là par contre il a bouffé. Ah, je l'ai raté. Mon tir était parfait pourtant. Bouffe. Mais tire, mon dieu! Mais putain! Gah! On met un peu plus dans l'armement, c'est pas grave. T'as dit? Oh mais je l'ai raté, mais non. Touché, là ça y est. Parce que j'avais plus assez d'énergie dans l'armement, j'imagine. Oh, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Hop là. Il vient au cac pour faire son boulot, lui. Hop là. Oh, il s'enfuit. Oui, j'ai entendu le coup de boost. Je crois vraiment que je vais te laisser t'enfuir. Ok, pleine puissance. Je cherche à t'enfuir, soit. Hop. Wouah, t'as eu mes boucliers, génial. Comme si ça allait t'aider d'avoir tes shields. Quoi, il m'enlève autant de points de vie? Hop là, voilà, ça c'est fait. Quoi, il m'a fait autant de dégâts? Seriously? Ah bah cool, je suis passé au rang d'expert, génial. Et il y a gros, là je suis sûr qu'il y a gros comme vaisseau. Ah non, il y a rien. Bon, enfin, il y a rien à ma portée. Hop, on va mettre un point dans les moteurs, deux points dans les moteurs. Hop, comme ça, on va pouvoir s'approcher un petit peu. Excusez-moi. Moi, je pensais pas qu'il allait me faire autant de dégâts. Faut vraiment que je révise mon alliage.
Demonbuck Explorer, c'est pas ça qui va me faire beaucoup de dégâts non plus. Hein. Ça pue si je l'attaque. Autant vous le dire, hein, ça pue si je l'attaque. Parce que lui, il va forcément être vilain. Ah, mais j'ai bien envie. Alors, on va attendre un peu que les boucliers passent. Est-ce que j'ai mon... détecteur d'avis de recherche, voilà. Parce que lui, il faut passer dessus. Hein. Lui, il faut qu'il nous rapporte du fric. Parce que lui, il nous apporte 103 000. Je l'ai pas en ligne de mire, ce qui est complètement pute. Primus, en plus, qui s'appelle le pauvre. Pensez à passer au-dessus du comment du... Qu'est-ce que j'ai dans ma soute? Pas grand-chose, je suis désolé. S'il m'attaque, je suis mort. Ouh, merci. Ok, où est-il? Apparemment, il est pas tout seul à se faire attaquer. Hein. À attaquer plutôt le bonhomme. Ok. Je viens t'aider, je te promets. Allez, on y va. Il a boosté. Il a reboosté. Je voulais absolument esquiver le fait d'être en face de lui, mais apparemment, lui aussi, il m'aime pas. Ah, par contre, je suis allé beaucoup trop loin, hein, soyons honnêtes. Et lui, il m'attaque. Du coup, je suis planqué derrière le... Et il booste. Touché. Trop de dégâts. Tu m'étonnes. J'ai pas pris cette arme pour que tu t'en sortes, hein. Ou du gland. Ah! Merde! Bah oui, mais... Comment voulais-tu que je fasse autrement? T'es con, si. Venir au cac sur un vaisseau pareil, quoi. Bah remarque, c'est la solution. Par contre, là, on est dans la merde, chers amis, hein. Hop. Par contre, niveau fric, on est bon là. Target destroyed. Apparemment, j'ai pas d'ennemis dans la zone. Par contre, je suis recherché. Ça pue. Ça pue. Faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre et qu'on fasse attention. Sinon, on va se faire violenter. Oh la vache, le tir, la balle perdue quoi. C'est vraiment le principe. C'est quoi ça? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Target shields online. Je vais le tenter. Ça, il va pas s'amuser à me scanner vu le nombre de points de vie qui lui reste. C'est un clipper. Ah, je pense que c'était un cutter. Target shields offline. Ça devrait suffire. Voilà. Il faut que je sorte de là maintenant. Hop. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. Hop. Faut se barrer. Merde, il est de l'autre côté, t'es sérieux? Non, c'est bon, j'aurais pouvoir l'atteindre. Hop. Ok, on devrait y arriver. Y'a plus qu'à croiser les doigts, mais on devrait y arriver. Et faudra qu'on soit discret à l'arrivée. Genre hyper discret. Excusez-moi. Parce que là c'est le coup de la balle perdue. En même temps, il a vu le machin, il est passé devant quoi. Donc du coup,
Mon dissipateur thermique, il est sur quel groupe? Voilà, le groupe d'esquive. Ok, voilà. Enfin, c'est même pas un groupe d'esquive, hein, c'est un groupe dangereux, c'est tout. Ouais, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Prime locale 5400. Est-ce que je peux la payer aussi sec pour être tranquille ou pas? Parce que là, clairement, je vais pas oser rentrer en mode. En mode normal, quoi. Docking request granted. Ça va, y a pas trop de vaisseaux. Allez, on lâche. On lâche un dissipateur thermique. Il fait froid. Heatsink deployed. Ok. On n'est pas scanné. Génial. Hop, on peut couper le moteur, il va se garer tout seul. Wouh! Bon. Landing gear deployed. Parce que pour 5400 crédits, il vous tue quand même, hein. C'est pas un problème. La Morucheche, c'est un peu ça, hein. C'est pas un véritable choix, on va dire. Cool. Cool, cool, cool. Alors juste pour voir, on est à 13 millions de crédits. 16 millions de crédits, pardon. Préparer, 23 000, c'est pas grave, hein. Hop, ravitailler. Je pense qu'on devrait en avoir pour notre argent déjà de base. Voilà, 1,5 million comme ça, en quelques minutes. C'est pas rien. Agence de sécurité locale. Oui, bonjour. J'ai. Enfin, c'est pas que j'ai une amende, c'est que je suis recherché et j'aimerais ne plus l'être. Apparemment, je suis baisé, hein. Je suis littéralement baisé. Bon, est-ce qu'on a des trucs de cartographie à vendre? Non, rien du tout. Tableau d'affichage, est-ce qu'on peut se barrer? Je propose, hein. Entre de bonnes mains, transport de cargaison à destination du système. CPC 22212, pour combien de crédits? Pouah, 24 000, c'est petit. Ah, LHS 1852, ça me semble sympa ça. Eh bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, hop, équipez-nous. Moi je vais faire une petite ellipse, chers amis, je vais aller voir si on n'a pas autre chose à prendre pour cette station. Voilà, livrer du café d'urgence à la station Herbert Spoli. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Heureux, chers amis. Donc, grâce à un tour sur le site eddb.io, je peux voir qu'en achetant donc un petit peu, normalement, enfin, je vais faire mon remplissage, entre guillemets, hein. Je vais remplir de T. Hop. Voilà. Je devrais faire un petit peu de bénéfices, donc. Total de 19 000 de bénéfices. Ce qui est pas épique, hein, mais... toujours intéressant. Et donc, ouvrez la carte de la galaxie. Nous allons ici. Je pense que ça doit être à 3 sauts, je dirais. À vue de nez, 3 sauts, voilà. Ok, et donc on se barre de ce spatioport. Rapidement. On ne se laisse pas défoncer. Hop. Moi qui voulais me faire du fric, bah je l'ai dans le fion. On verra sur place s'il y a des missions pour la Fédération, tiens. Pourquoi pas ne commencer. Hop. Alors, en douceur. Et juste avant de sortir, je sais pas si ça... j'espère que je vais pas me faire agresser pour le faire. Hop, on bourre. Heatsink deployed. Landing gear retracted. Vous voyez que chaque boost que je fais, c'est mortel. Hop. Et on se barre. Pardon, on se barre. Voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à prier maintenant, chers amis. Hein. Franchement,
Ça pue le cul, ce principe, sur le principe. Il faudra qu'on y revienne, faut que je note ça quelque part. Hop, faut que je note ça sur un post-it. Un post-it. Ah ouais, mais il n'y en a plus qu'un. C'est pas idéal. Un mini post-it. Un mini post-it. Ok. Alors, un crayon, non, j'ai dans le fion, bon, c'est parfait. Ok, donc on a dit Yota Idri. Wow! Voilà la boîte de conserve que je recherche. Boîte de conserve? Mon piton? Je sais pas comment je dois le prendre. Vas-y, ose m'attaquer. Je t'attends. Je te promets que je t'attends en tournant. Vas-y, vas-y, profite, je t'attends. Allez, t'as quelques secondes pour le faire. Je suis en ligne droite. Allez, la boîte de conserve, elle te demande de venir. Viens. Viens que je te détruise. Que je te roule dessus. Bah alors, t'as pas de couilles? T'as pas de couilles? Tu es un eunuque? Ah, on te les a coupés? On t'a coupé ton service 3 pièces? Tu peux plus jouer à la pétanque? Oh là là, j'aime pas ces étoiles là, putain. Du coup, bah oui, on va aller voir s'il n'y a pas un petit coup de détecteur, hop. Un petit peu d'exploration, toujours, hein. Ça fait pas de mal. Hop. Voilà. Alors, on m'a conseillé aussi de me rapprocher du centre de la galaxie. Je sais pas pourquoi, à vrai dire. Je sais pas. J'imagine effectivement que plus on se rapproche du centre, plus l'exploration doit coûter cher. Hein. Ce qui est toujours intéressant. Et vu à quel point en fait les missions sont de plus en plus liées entre guillemets entre elles au niveau des rangs. Oh, il est beau ce vaisseau. Je l'aime ce piton. Hein. Franchement, je l'aime. Alors. On y est. Hop, ça fait du mal par où ça passe. Ok, carte du système, accès aux données du système LHS 1852. Parfait, devons atterrir sur cette planète. Carte planétaire. Devons aller très précisément ici. Hop, parfait. Hop. Et hop. Voilà comment on coordonne notre voyage, chers amis. Hop. On va freiner un petit peu quand même. Alors, source du signal non identifié. Non, nous sommes trop chargés. On peut pas risquer une cargaison et une mission et le vaisseau. On peut pas tout risquer non plus. Ah, je suis assez proche de l'Empire, n'empêche. Hein. Par contre, pas du tout de l'Alliance. Hein. C'est con. Pourquoi décélérer? Non, mais attends, j'allais déjà pas vite, moi. Ok, si tu veux. Pas de soucis. Oh, c'est beau quand même. Je sais pas ce que je dois faire avec le Vibe. C'est vrai que ça coûte extrêmement cher et... J'ai pas les moyens de me payer ça. Hein. Je suis pas sponsorisé par Valve. Ni par Oculus. Désolé. C'est comme ça. Alors, ça se trouve derrière. On n'a pas de bol. Quoique, si on a du bol. Voilà, on est parfait là. Oh, il y a un gros cratère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un atterrissage en plus. Ok, on va voir l'interface qui a pas tardé à arriver normalement là. Hop. En douceur, chers amis. Hop les. Une fois qu'on sera à moins, je dirais, de une. C'est possible.
En douceur. Orbital flight engaged. En douceur. Ok, en douceur. En douceur. En douceur, on arrive un petit peu, peut-être un petit peu trop bas là. C'est pas grave. On peut le voir déjà d'ici, hein. Vous voyez? Hop. On va être à moins de 100 km. On va avoir le vol en glissade. Voilà. Hop. Initialisation de la descente. Descente terminée, parce qu'on arrive dans l'espace aérien. Et là, on contrebalance. Hop. Dis donc, c'est joli dans le coin. On va aller un peu plus au sol. Ok. Pousser. Hop. Voilà. 500 mètres du sol, c'est pas beau ça. Hop, demande d'appontage. Hop, plateforme 8. En espérant qu'il va avoir le temps de se rediriger. Oui. Bon, c'est pas beau hein, comme manœuvre. J'aurais peut-être dû y arriver. J'aurais peut-être dû y aller moi-même en fait. Oh, un ASP Explorer. Hello. Salut copain. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. En fait, il a atteint une hauteur acceptable de 2 km. Bon à savoir, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, chers amis. Ok. Bon. Alors. Je vais noter le nom de l'épisode. Parce que bon, celui-là, il peut avoir qu'un seul nom. Hein. Hop. Docking successful. Engines disengaged. La balle perdue. Hop. Crac. Alors. Service de spatioport. Herbert's Folly. Hop. Faire le plein. Ravitailler. Tableau d'affichage. Mission. Chargement. Livraison. 200 000 crédits. Ah, j'augmente la famine apparemment. C'est pas bon. Excusez-moi. Combien tu veux? Ah, tu veux des trucs? Ah bah non, je suis désolé, j'en ai pas. Marché, voyons. J'ai du thé. Voudrais-tu un petit peu de thé? Non, j'en ai un peu plus que ça, du thé. Hop. Voilà. Pour un bénéfice total de 19 491 crédits, chers amis. Hop, ça c'est fait. Bon. On quitte. Au niveau du tableau d'affichage, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Je veux savoir. Surface, mission de compassion, quoi. D'accord. Ça ramène de l'argent, ça. Hein. Oh. Quantité 24, l'émission s'analyse. D'accord. Échec de la mission contre la destruction du vaisseau. Ouh. Pour 1 300 000 crédits, il faudrait des esclaves. On est des esclaves. À 46,62. Oh, j'ai trop de chance de me faire scanner là. Enfin non, quoique non, pas du tout. C'est un spatioport. Eh bien écoutez chers amis, je pense que c'est ça qu'on fera dans le prochain épisode. Merci de l'avoir regardé celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, d'en faire tout le lien dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop les.